Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans Playroom sur un nouvel épisode de Starbound V4 Please Giraffe. Donc, alors, on reprend là où nous en étions donc, dans le précédent épisode avec tout le monde. Blast de violence dans cet épisode. Et on va cette fois-ci, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de la planète, on va essayer de s'attaquer aux profondeurs de cette planète. Et ça commence assez bien, à vrai dire. Bon, c'est un truc que j'ai déjà en stock, entre guillemets, mais ça commence assez bien. Un petit peu d'huile, tiens, je sais pas si j'en avais. Hop, au cas où j'en prends. Hop, voilà. Fini par prendre ce qui reste. C'est pas trop moche, pas trop mal, pas trop moche. On va y arriver, chers amis. Hein. Moi, je viens de me lever, c'est violent. C'est violent, c'est violent, c'est violent, c'est violent. J'aurais bien besoin de quelques champignons, on va dire, je l'avoue. Hop. Aïe. Non, tu ne me piqueras pas le cul. Ok, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Hop. On en récupère un maximum. Voilà. Parfait. Hop. On va voir si on peut tomber des choses intéressantes. Tiens, de l'herbe. Ça, c'est intéressant, justement. Un biome champi. D'accord. Souterrain. Hop, pourquoi pas. Alors, par contre, on va rester dedans. Ça pourrait être cool. Alors. Voilà, on règle des problèmes. On règle des problèmes. J'aurais bien aimé tomber un coffre. Un petit coffre en champi, ça peut toujours être cool. Apparemment, ça va pas être le cas. Un gros coffre, deux gros coffres. Ah. D'accord, j'espère que ça ne m'a pas fait de dégâts au moment où j'ai moi-même tiré. Normalement non. Tout ça pour ça. Une drôle d'épée, une harpe que j'ai déjà, du kiwi. Le kiwi je prends parce que le kiwi c'est bon. Le kiwi c'est la vie. Ça je vire. Ça je vire. Hop, je trie. Est-ce que j'ai des armes moisies? Non. J'ai des carottes, j'ai du PQ, j'ai plein de saloperies, mais j'ai pas ce que j'aimerais supprimer. Bon, si ça je peux supprimer normalement. Bon, on progresse. Du gravier, ça tombe bien. Ah! Oh! Meurs! Hop, parfait. Cette PQ. La quantité de PQ que je trouve. C'est d'une violence. Bon. Alors, c'est laquelle? Ok, alors celle-là, je l'ai pas vu venir du tout. On va y aller quand même. Ah, c'est un coup à prendre. Maintenant, faut bourrer. Hop. Tout ça pour 45 misérables pixels. Allez. Bourre, c'est bien. Aïe.
Wouhou! Je l'avais pas vu avant le rayon, dis donc, ouais. Bon, je récupère tout ça, le PQ aussi, le truc j'en veux pas. Hop. Et on continue. On continue, on continue, on continue. Hop. Reste là. Hop, voilà. C'est bon. On continue. Oh putain. Hop, voilà, problème résolu. Crac. Voilà. Hop, là, c'est un cul-de-sac. Non? Intéressant. Hop. Est-ce qu'on peut reprendre un petit peu de santé? Oui, ce serait parfait. Tiens, des tombes ici. Hop. Intéressant, qu'est-ce qu'il nous dit, le inspect? La suite d'un grand héros avian. On a l'impression de pouvoir s'écrouler en miettes. Elle a été désacralisée. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hop. Hop. Avons-nous de la chance? Oh que non. Bon, c'est génial. Oh. Excusez-moi, j'aimerais passer. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien d'intéressant, mais même du PQ. Génial. Hop. Absolument génial. Hop. Problème résolu. Problème résolu. Hop. Du sable et de la mud. Hop. Par contre, ce serait cool que tu ne continues pas ton attaque une fois que tu es mort. Ce serait un peu con de crever inutilement alors que tu étais déjà mort. Hop, je vous rappelle qu'on est toujours sur le serveur, chers amis, au passage. Hein. Et donc les lags actuellement ne sont pas présents. On va dire ça comme ça. Hop, je vois des diamants ici. Est-ce qu'on peut les récupérer sans que ce soit trop long? Non, c'est une chier de temps. Une chier de temps. Et en plus, je ne peux pas en récupérer. Génial. Inutile. Hop. Rien d'intéressant. Est-ce que je suis déjà dans la zone où je peux plus récupérer suffisamment vite? Non, c'est parfait. J'ai envie d'un petit peu de lave. Hop. Ah mince, c'est des gros, c'est vraiment des trucs chiants ça à casser. Voilà. Voilà, on récupère de ce côté là maintenant. Le temps que ça se stabilise dans l'autre. Une fois que c'est le cas, on récupère. Parfait. Ben voilà, un petit peu de lave.
Pourquoi je ne... D'accord, pourtant j'étais en train de cliquer, mais c'est pas grave. Ouais, mais attends, c'est du gros cube casse-couille, ça. Alors, je vois du sable. Aïe. Bon, bah, c'est pas ce que je voulais faire, je l'avoue. Mais bon, il y avait rien sur cette planète. Le mec qui rage et qui dit non, c'est bon, je me barre. Non, mais il y avait rien, c'était nul. Alors, c'est donc une planète de type forest. Je m'étais posé la question dans le précédent épisode. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bordel sur moi? Alors, niveau bouffe, j'en avoir un paquet de toute façon. Carottes, ça, 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 ça. J'ai pas de kiwi là-dedans. D'accord, ok, pourquoi pas. J'ai pas de tomates non plus. C'est que ça commencerait presque à être vexant, pardon. Hop, je vais quand même ranger mon bordel, hein. Hop. Voilà. Crac, crac. Crac. J'ai oublié de mettre le sucre. Bon, déjà avec ça, on devrait être bon. Plus les meubles. Hop. Tout ça là. Tous les trucs que j'avais pas rangés en fait des dernières fois. Hop. Bon, y a plein d'erreurs dans ce que je fais, mais c'est pas grave. Ça c'est quoi? Je garde. Ça c'est ça je prends aussi et on est bon. Avira Launcher a été mis à jour. Ah bon, mais j'en ai rien à cirer. Et oui, j'utilise Avira. No comment. Ah putain! Jeu de merde! Parce qu'en fait, le temps qu'il m'affiche le machin d'Avira, je n'avais pas du tout accès à quoi que ce soit. C'était génial. En plus, il va falloir que j'aille vérifier l'enregistrement derrière. Ah, merci le jeu. Franchement, je te remercie. Hop, voilà. Ça marche toujours, parfait. La seule chose étant que c'est ceux-là qui fonctionnent comme ça. D'accord. Ok, donc on descend. Mais avant, je fais une petite ellipse. Heureux, chers amis. Donc, on va y aller. On descend. Hop. Mince. Hop, voilà, ça devrait être bon. Et c'est bizarre. On va faire un petit... Bah non, parce que les os, ça part en couille à chaque fois. On va regarder, on va rester sur ça. C'est pas grave. Hop. Hop, voilà. En espérant que je la vois. Parfait. Et donc, on part sur la droite. Commence bien. Hop. Intrigant. Hop. D'accord. Un tombeau à Viane. Eh ben, vous savez quoi, on va aller le faire. Hop, c'est fait. Je pense même qu'on va... D'accord, donc on va prendre celui-là. Voilà. Je vais prendre tous les coffres de cette manière. Comme ça, je serai sûr d'avoir ce qu'il faut. Donc, apparemment, certaines choses que j'ai prises ne sont pas des coffres.
Ce n'est pas grave, on verra bien. Hop. Voilà. Parfait. What? Ok, par contre là, il y a un truc qui m'intrigue, c'est ça. What? On y va, on va bien voir. Alors ça, je m'y attendais pas, je l'avoue. What? Appuie ça qui one shot derrière, j'y attendais pas non plus. Bon, bah ça met dans l'ambiance. On reprend. Hop. Oula, il y a eu quelqu'un qui s'en... Il y en a un qui en a bouffé un autre, je pense. Vu le bruit que ça a fait. Oh, genre... Bon bah tant pis, je l'ai perdu. Je l'admets, j'ai été nul. J'ai été nul. Il y a des scies là. Hop. Aïe. Ok. 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 Jusque là, tout va plus ou moins bien. Je suis complètement paumé, mais tout va bien. Hop. Je pensais pouvoir prendre juste le lapin, mais non. Dommage. Hop. On a frôlé la catastrophe. Ça, c'est dégueulasse. Meurs, charogne. Le mec, il peut se permettre de se balader dans les scies, quoi. Hop. C'est pas passé loin, ils auraient continué à me tirer dessus, j'étais mort. Pour du bas level, ils sont plutôt balèzes. Hop. Il était vide, d'accord, ok, pourquoi pas. Hop, 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 et c'est un cul de sac. Alors, par là, c'est un cul de sac. J'ai pas fini à droite, donc je vais aller faire à droite d'abord. Ah, ah, ah. On se calme, mon ami. Hop. Voilà. Hop. Voilà aussi. Voilà. Voilà, c'est parfait, tout se passe bien. Wouhou,
C'est pas passé loin. Ah. Ouh, c'est pas passé loin non plus. J'ai stressé. Je suis pas du tout dynamique, c'est marrant. Je ne bouge pas du tout en combat sur Starbound. Ça manque, c'est pas comme ça sur Guild Wars parce que sinon je serais mort. Je serais mort très souvent. Vive les MMO dynamiques. Hein. Hop les headshot. Bon. Faisons le vide de toutes ces armes moisies que j'ai dû récupérer. Hop. Bla, dépose. Bla. 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 Voilà. Alors. Ce côté-là, ça se passe crème. Parfait. Bon, ma direction, la gauche, hein. Alors, voyons voir ce qu'elle nous... ce qu'elle nous prépare. Ce qui nous attend. Oh non! Appelez. 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 Parfait. Hop. Bla. C'est bon. Ok, un petit peu d'or, pourquoi pas. Ok. Ok. Et on a fait le tour. Bon, bah c'était pas trop trop mal en fait. On est mort connement, mais ça va. Bon bah écoutez, je pense que c'est une très très bonne entrée en matière pour cette planète. Je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez trouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez retrouver dans le groupe Steam l'adresse IP et le port du serveur Starbound disponible pour vous et nous. Enfin, pour vous et moi, donc au total, nous. Vous pouvez aussi donc trouver donc dans la bannière de la chaîne un lien direct vers mon partenaire Gamesplay.com qui m'a offert quelques jeux sur la chaîne et je les en remercie encore une fois. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être fidèle à la chaîne, je vous remercie de votre sympathie. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.